Bah c'est du rock'n'roll, hein. Du rock'n'roll déglingué. Avec une tendance à vouloir... expérimenter des choses. Expérimenter, surtout s'exprimer librement, le plus sincèrement possible. Ça a commencé en 1999 à l'école, dans une école d'art où j'ai rencontré David, le batteur, qui n'avait jamais touché une batterie de sa vie et on a décidé de former un groupe. On a joué dans la cour de l'école, ça a super bien fonctionné. Et puis après, mon acolyte de toujours, le mec qui m'a appris à jouer de la guitare ici à côté, a rejoint le groupe et voilà. Et puis depuis, on ne s'est plus jamais arrêté. C'est une sorte de récréation qui s'est transformée en... En travail. Ouais. Ça va dans tous les sens. Il y a des histoires personnelles, il y a des histoires fictives inventées, des beaux losers, comme on dit. Pour le dernier album, ben, c'est plus de la poésie. Le dernier album, on a fait aussi un exercice qui était vraiment, vraiment super, c'est qu'on a enregistré des morceaux en une seule prise. C'est comme si on répète, c'est comme si on enregistrait une répète et qu'on essayait que des nouveaux morceaux, quoi. Et donc on jouait, et alors il y a des morceaux excellents qui sont ressortis de tout ça, comme The Power of the Fist. C'est des paroles qui parlent de bagarre basique, quoi, tu vois. Le pouvoir du poing, je te le mets dans ta gueule. L'improvisation totale sur certains morceaux, et ça vient de... Je ne sais pas d'où ça vient. C'était ça l'intérêt de la chose. C'était d'aller chercher au fond de ton inconscient, finalement, c'est ça. Tu n'as pas texte, tu n'as rien, et qu'est-ce qui ressort? C'est ça. Power of the Fist. Dernier album qui s'appelle Spit and Split, qui est accompagné d'un film. C'est Jérôme Van de Wattin, le réalisateur, qui a décidé de nous suivre pendant plus de 2 ans. Et c'est un docu-fictionnel qui parle du groupe, mais il y a beaucoup de choses très ambiguës, il y a beaucoup de jeux avec la réalité, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas. C'est ça, je vais l'humilier, film. Au charbon, les trucs. Allez, prends ta pelle et ton seau, on va creuser le trou, quoi. That's kind of all right. Comment cette expression-là en anglais, split? Le split, ça veut dire que quand tout se termine, la séparation, le split. Et en plus, il a été sélectionné dans plein de festivals, il a reçu un prix, tu vois. Enfin, je veux dire, c'était un vrai truc. Il est bien truc, accueilli, quoi, ouais. C'est super cool, en fait. Eh ben moi, je vais dire cocaine piste, tiens. Masturbation. Masturbation. C'est du lâcher prise à fond, c'est la musique offerte, sans voile ni masque, tu vois, c'est vraiment... Moi, ça me dirait bien d'aller jouer au Japon. Je ne suis pas encore allé, j'aimerais bien aller. Le rêve tel que je le conçois, c'est continuer à faire ce qu'on est en train de faire, quoi. Parce que moi, j'appelle ça les vacances rock. Je pars en tournée avec mes potes, c'est des vacances. Merci beaucoup.